reconnaissant et païen pour Jésus-Christ. Vraiment, nous sommes très reconnaissants à l'égard de Jésus-Christ. C'est lui qui nous assiste et nous conduit par son amour. Et c'est lui qui a fait que tu puisses venir écouter la parole. Un homme averti à Bolingati aux enseignements. Un homme averti ne voudra pas manquer l'enseignement. C'est pour édifier sa vie. Parce que nous avons passé à l'écamopamate. Parce que le Seigneur ne fait pas une chose en vain. Dans la pessimisme au programme. Lorsqu'il nous a donné un programme. Il sait les choses qui sont attachées dans ces programmes. Sera fidèle dans les petites choses, le Seigneur lui confiera les grandes. Que Dieu te bénisse. Amen. Et nous allons tellement reconnaissants dans la marche sur le Seigneur, dans le service sur la parole. Et nous sommes très reconnaissants dans toute la marche et la parole que le Seigneur nous donne. Et nous sommes très reconnaissants dans la marche et la parole. Et tous les services et prières qui se passent au milieu de nous. Tout ça, la voie que service nous faisait à mon tour. Il y a d'autres services qui sont ceux de la nuit. Et ça, avec l'équipe ambassade en Zambie, où nous travaillons à mon tour. Les services dirigés par l'équipe des serviteurs de Dieu. Et service nous faisait aussi la journée. Et encore un autre service pendant le jour. Dans la salle où nous avons disposé. Avec les serviteurs que le Seigneur dispose. Tu ne veux pas manquer une raison d'assister au service de prière. Ce qui n'a pas quitté la moïse quand même, il faut savoir. Si tu n'étais pas là pendant la nuit, tu veux être là pendant le jour. Ce n'est pas en vain que les services sont placés de cette manière. Donc, on a coqué. Je pourrais aussi participer la nuit et même le jour selon que le Seigneur va me donner la force. Mais toi qui as dormi à la maison, montre-toi pendant les services de prière de la journée. Si nous marchons ensemble, nous allons nous réjouir aussi ensemble. L'écriture est le bien. L'écriture dit ceci. Nous avons un proverbe 23. Dans proverbe 23. Salomon lui qui a l'écrit peut venir à chambre d'un paresseux. Salomon a le gars qui a l'écrit qui peut venir à la moto à Boïgou. A remarqué qu'il a la wana en tout béni boti. Il a remarqué que dans ses champs poussaient les ronces et les épis. Il n'a qu'à comprendre. Il voulait comprendre la situation. Il faut quand même un moment où il faut laisser ça. Et dans les champs d'un homme, il doit y avoir des fruits utiles qui vont participer à sa nourriture. Et pourquoi dans les champs qui paraissaient, il n'y a que des ronces et des épines? Les sages avaient dit, Salomon a dit un peu de sommeil. Pour qui t'a manqué? Un peu d'assouplissement. Pour qui m'a manqué? La pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Donc, il faut faire très attention. Essayez de couper ma casse. Seulement comme le diable aussi rôde tout autour de nous. Il cherche qui dévorer. Quand il néglige la vie, la consécration, la vie à prière. De la même manière, lorsque tu négliges la vie de prière, oh, il est limité, ça s'appelle la pauvreté. Ce qui va te limiter, tu seras limité par la pauvreté. Donc, il y a des choses des côtés d'autres, des parts et d'autres, des nord et sud, nord, sud, est, ouest. Tout ce que tu feras dans les quatre coins, c'est la pauvreté qui va te sécuriser. Donc ce sera la pauvreté qui va t'entourer. Et où tu vas? D'où provient-elle? Un peu de sommeil. La tête a fourni ta tête. Un peu d'assouplissement. Pénagonie va manquer. Pour ça, il marche pour lui. Tu fais une pauvreté à Zama. La pauvreté est là. Pour ça, il est comme lui. À Zama. Tu fais une affaire, la pauvreté n'est pas là. On n'aime pas le sommeil. Pour l'imaka pour l'y t'aider. Amen. N'aime pas le sommeil. Il faut n'ayo se révolter. Tu dois te révolter en toi, bien-aimé.
Ceux qui ont prié dans la Bible étaient des hommes de la même nature que nous. Il faut bénir tout ça. Et nous aussi, nous devons prier. Il n'y a pas un autre chemin. Que vraiment le Seigneur a béni le Babou. Et vraiment que le Seigneur bénisse tous les participants des prières. Il faut retenir la carte à Makanisinayo. Il faut mettre dans ton esprit l'écriture du Seigneur et le dit. L'écriture dit ceci. Les travaux procurent de l'abondance. Mon salaire de ma cabofoule qui te bilo est béni. Toi pour tu travailles les prières intenses. Les prières intenses. Tu t'adores. Le Seigneur peut aussi t'accorder de l'abondance. Abondance même parfois par la parole. Même l'abondance par la parole. Commis assaisonner du sel la parole nayo. Les paroles assaisonnées du sel. Légèreté bimi la parole nayo. Les légèretés quittent tes paroles. Au commis qu'on sait retenir. Et tu deviens l'homme qui sait retenir. Aux arrêts qu'on sait retenir. Toi qui ne parvenais pas à te retenir. Tu étais un homme très colérique. Zambé, plus il y a abondance, il y a douceur. Le Seigneur te donne l'abondance et la douceur. Tout ça, c'est l'abondance. Nous sommes amis à fou. Quelqu'un est malade. Devant la personne qui est malade. Lorsque tu pries. T'as besoin d'abondance. Lorsque tu as l'abondance. Et tu sais manifester le Seigneur à couper sa guérison. Et le Seigneur va démontrer, opérer la guérison. Donc l'abondance, nous avons un caractère bon. L'abondance, nous ne voyons pas seulement de l'argent. Mais vous allez priver dans un bétail dans les camponnières sur le sang. Mais que tu ne sois pas privé de Dieu dans tout ce que tu fais. Et c'est ce qui est la plus grande chose. La vie d'Azor, je me réjouis de ta parole. Nazali, vous savez, la dame, nous banayons. Ah, par le lingue, mon conseil, nous t'a trouvé bidin. De la même manière à la personne qui a trouvé un don bidin. Et que Dieu te bénisse. Ça ne vient pas pour la vie. Vraiment, tous les textes, la mission, Apocalypse, au chapitre 2e, la verset 21. Vraiment, nous prenons notre texte dans Apocalypse 2, le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Que Dieu bénisse les dieux. Ça ne vient pas pour l'hôpital. Tous les hommes ont des écritures pour parce qu'ils ont la carte à cette église d'Asie. Nous prenons ces écritures parce qu'elles se retrouvent dans les sept églises d'Asie. Parce que le thème de la mission des années, sept églises d'Asie. Parce que notre thème, c'est les sept églises d'Asie. Et les trois doctrines où ils ont combattu l'église. Mais voilà, qui s'inissa, tu as pas besoin de vous dire ces églises d'Assemblée. Donc, Awawa, ton commis, la doctrine, il y a Jézabel. Ici, nous avons déjà entamé la doctrine de Jézabel. Nous avons remarqué que Jézabel. Nous remarquons que la femme Jézabel a séduit ma serviteur de Dieu. Jézabel séduit les serviteurs de Dieu. Mais pour la personne qui est là, trouvé là qui l'obéit par la grâce de Dieu. Et pour répondre à ce qu'on avait dit hier par la grâce du Seigneur. Au monitant total Isaki qui est la gloire du Seigneur. Vous voyez, lorsqu'on avait montré que la gloire du Seigneur. La gloire que le Seigneur avait fait descendre dans 2 Chroniques 5. À partir du verset 13e à 14e. À partir du verset 13 et 14. Le Seigneur avait dit gloire, voilà. Le Seigneur a appelé cette gloire dans Ésaïe 3. Dans Ésaïe chapitre 3. Dans verset 17e. Au verset 17. Chez Béli. Sous qui a moi. Donc ce qui est toujours comprendre. Oui. Donc ce que nous comprenons ceci. Zambe étant la béni gloire au Yoya qui dit ça qui n'a temple dans l'air à Salomon, chevelure. Quand le Seigneur appelle la gloire, la chevelure qu'il avait fait descendre dans le temple de Salomon, qui bat, si les hommes, baillé, baba, qui si biloko au Yabango, ajoutent les choses qui sont à eux, en dehors de la gloire au Yoya qui chevelure. En dehors de la gloire que le Seigneur a appelé sa chevelure, les autres sont combonnés au Soboros en. Ajoutent
Donc cela prend tous les noms que vous aurez en votre temps comme des ajouts sur les cheveux naturels. Il y a un azoï qui un témoignage. C'est pourquoi j'avais pris un témoignage. Nalikamokoyo et Dali l'Armageddon. En ce qui concerne la bataille d'Armageddon. Zacharie 14, le Bélian. Et Zacharie 14 en bas. Non, verset 14. Au verset 14. Et 15. On nous montre comment est-ce que ce combat-là sera. Même dans AG2, verset 20 à 22. Et même dans AG2, le verset 20 à 22. Ça mention en lingues en mer pour renverser trône moko Isabolesi de tous les royaumes. Ici, on nous montre comment Dieu viendra renverser un seul trône qui est au-dessus de tout le royaume. Mais total Isaki qui est Zambé. Mais on avait montré que Dieu a ça pouvoir Isaki Colère à pouvoir Nyonso. Va renverser le pouvoir qui est au-dessus de tout le pouvoir. Pouvoir en Otomona qui est en Apocalypse 17, verset 18. On avait vu ce pouvoir d'Apocalypse 17, verset 18. Parmi cette femme-là. Moi si on le monde. La femme prostituée. Donc moi si Mumba, c'est la grande ville. Les alliés Mumba à mon qui a la royauté. Oui, à Salina Mokonzi. Sur le roi de la terre. Nicolo, il y a un coup de mouillon sur ma vie. On est le verset 18e et Apocalypse 17 et nous avons. Et c'est ce que nous dit Apocalypse 17, le verset 18. Donc il faut comprendre que dans la suite des temps, dans l'Apocalypse toujours. Tu dois comprendre que la tête a beaucoup et mon ici. Jézabel a donc s'identifié aussi à cette femme Apocalypse 17. Et Jézabel s'identifie aussi à cette femme prostituée l'Apocalypse. Il y a un autre temps pour petit à petit dans l'église en bas sur la mission. C'est pourquoi nous marchons petit à petit par l'assistance du Seigneur. Donc, tant que qui témoignage dans Zacharie 14, lorsqu'on avait pris ce témoignage dans Zacharie 14, on a vu le prophète Zacharie. On avait vu le prophète Zacharie dans la zone de la combat où il est au Salem, où il est à Apocalypse 19 à l'obéi. Lorsqu'il parle du combat, on parle aussi à Apocalypse 19. À partir du verset 11, il y a 19e. À partir du verset 11 jusqu'à 19, à Talisiboué, il a montré Zacharie Nathanaï. Zacharie en son temps, à l'obéi, il a dit, et vous en avez mille. Donc, et vous en avez Punda, Baacham, Kamena, Kamena, et vous en avez Chevo, et Punda, oui, vous en avez Kam. Il y a un ennemi qui seront dans le camp de l'ennemi. Le Seigneur a frappé en vous. Et le Seigneur va frapper toutes ces choses. Maintenant, si tu prends cette écriture. Maintenant, si tu prends cette écriture. Rien n'a vu maintenant dans Apocalypse 19. Et tu l'amènes dans Apocalypse 19. Et pour chercher son temps d'accomplissement. On s'est posé question. Tu te poses d'abord la question. Est-ce que les gens pour en toi qui ne combat? Est-ce qu'aujourd'hui pour que les gens se rendent à la guerre? Un combat là-bas. Chameau. Est-ce qu'ils se rendent à la guerre avec le chameau? Que les combats là-bas millet. Ils se rendent au combat avec le millet? T'es. Non. Ils iront au combat avec des chars, avec des avions de guerre, ils vont apporter des bombes. Donc, Babylone, ça va combien de mains? La suite attend. Toutes ces choses-là qu'ils vont apporter dans la suite. On a place dans nos Esaïe, Chabon, Millet. Et toutes ces choses-là, dans la prophétie, c'est le Chabon et le Millet. Voilà, dans un petit texte, on a comme un exemple. J'avais pris ces textes-là comme un exemple. Et si quelqu'un te pose la question, où est-ce qu'on a interdit le merche dans les Écritures? Il faut en la mise. Mais tu dois avoir si pour ceux qui, par exemple, un homme, il est aussi serviteur de Dieu, il y a un homme en mèche, il y a un homme en mèche. Et surtout si c'est un serviteur de Dieu qui ne voit pas de mèche et qui cherche de mèche noire sur blanc. Les années, là, nous avons sur Kayan. Et c'est comme je dis, quelqu'un qui prêche sur Kayan, il prend son iPad, tablette naïe, sa tablette et la concordance. Il clique sur la concordance. La lettre C. La lumière c'est à pas du Kayan. Et puis il prend Kayan. Pour atteindre sur Kayan. Pour prêcher sur Kayan. Avant sauter par mouvement et bénir à Kayan. Il va sauter beaucoup de mouvements sur Kayen dans les Écritures. Il y a C-A-I-N. Lui va prêcher C-A-I-N de Kayen. C'est comme quelqu'un qui veut prêcher Adam. A-D-A-M. Et lui ne prend que A-D-A-M. Non. Voilà, nous comprenons le langage ensemble. Là, tu ne comprends pas le langage de Dieu. Nous avions dit selon les Écritures dédiées.
Pharaon avait reçu un songe. Dans le premier songe, il a vu des vaches. Et dans le deuxième songe, il a vu des épines. Et si tu prends le songe des Pharaon, et tu les amènes dans la faculté des sciences, ils te diront que c'est deux choses différentes. Parce que parce que les vaches sont étudiées dans la science qui étudie les animaux. Et les épis dans les sciences qui étudient les plantes. Là, c'est la réponse de la faculté des sciences. Mais lorsqu'il était arrivé quelqu'un avec la faculté du Saint-Esprit, Joseph, lorsqu'il est arrivé, à sa dimension, il a fait mention. On lui a raconté les songes, les vaches et les épis. Mais maintenant, écoute la réponse de Joseph. Dans son langage, il a montré. Dans son langage, Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. Alobi, elle dit que c'est qu'un neveu Pharaon. Notre Pharaon a dit. Dans verset 18, 16e d'abord. Joseph répondit à Pharaon en disant ce n'est pas moi. Les habitants. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Et Zali t'amène à couper ses yamé pour se mettre sa face. C'est un bon signe d'un serviteur de Dieu. Et Zali est le malade, mais à Moussa Yantabé. Qui donne toujours la place au Seigneur. Alors, Azot Pesaka de Sigan encore. C'est à Dieu qu'appartient l'explication. Et Zali Nantabé, dit pour les Zali de Yantabé. Pharaon dit alors à Joseph. Dans mon songe, voici, je me tenais sur les bords du fleuve. A raconté son songe. Il a raconté son songe. À l'obéacore, dans verset 22, je vis encore en songe sept épis pleins et beaux. A raconté encore son songe. Il a raconté encore son songe. Maintenant, dans le verset 25, qui est Genèse 41. Maintenant, le verset 25. Joseph dit à Pharaon. Joseph est ici, ce qu'a songé Pharaon. Maintenant, le Pharaon, l'autre est-il 5 jours. Les habitants qui l'ont manqué. Donc, la vache est égale à l'épi ou à la plante. C'était cette chose. Les habitants qui l'ont manqué. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ça veut dire qu'il s'y va, lui, à Poussala. On en a versé 25. Verset 32. Le verset 32. Si Pharaon a vu les songes, c'est répété une seconde fois. Donc la vache. A se répété une seconde fois. C'est répété une seconde fois et devient un épi. Vous en comprenez? Amen. Seconde fois. Donc c'était une vache. Mais des. Seconde fois, n'a pas comme une dite. Et seconde fois, cela devient un épi. Hébreu chapitre 1, verset 1, le dit. C'est pourquoi Hébreu chapitre 1, verset 1 dit. Autrefois. N'a pas pour n'a pas. De plusieurs manières. N'a pas l'oublié de plusieurs églises. Fait n'a pas bandé la taille de Dieu a parlé à son père. Ça fait à l'oublié à la tata. Donc Hébreu 1, le dit. N'a pas à l'oublié. Donc Hébreu 1, le dit. A l'oublié une chose. A petit corbeau. Mais à Zongeli Yamo, de plusieurs manières. Mais le Seigneur la répond de plusieurs manières. Donc, à cause de l'Adam, il peut être là sur la terre. C'est la terre, Zongeli Yamo. Allez, amen. Mais Tata, après, il répète cela, allez, amen. Non. À cause de Zongeli Yamo, de plusieurs manières. Il va répondre à Adam de plusieurs manières. À ça, Adam, il est d'accord. À Zongeli Yamo, comme une maison frappée des mains. Il répond à Adam comme une maison frappée des mains. Maison. Là, tu vois la maison. Mais après, vous comprenez que ça, Adam. Mais pour comprendre que ça, avec que quand vous serez dans le pays, lorsque vous entrerez dans le pays, sauf qu'il n'a pas amené la terre pleine à maison. Et si moi, l'éternel, je vais une place. Déjà, monsieur, il a dit que Yen a salé qui Adam. Et déjà, il t'a donné la pensée que c'est lui qui avait favorisé la chute d'Adam. Comment?
Et comment tu nous dis dans le désert? Lorsque nous entrerons dans le pays où tu as plaie, et tu mettras la plaie sur la maison. Et puis à l'homme, et puis il va sacrifier la foi. Il verra sortir tout ce qui sera dans la maison avant qu'il ne soit sorti. Avant qu'il ne commence à examiner la maison, il démontrait, même si Adam était tombé, il était toujours le fils de Dieu. Donc, où est-ce caché? Donc, ce qui richesse, cette richesse malade, ne peut pas être poison traité au monde. Parce qu'il traite ce que toi tu vois à des yeux. C'est ce qu'il m'a dit dans Lévitique 14. Et c'est ce qu'il dit dans Lévitique 14. Donc, ce que nous avons dans la Bible, c'est que l'adage de Dieu dans les Écritures. Le Seigneur a non pas bon mot pour m'attendre et m'a comprendre. Le Seigneur avait fait cela afin que les sages ne le comprennent pas. Sinon, partout, il va avoir l'intelligence pour maintenant comprendre les Écritures. Sinon, les hommes intelligents allaient comprendre les Écritures. C'est pourquoi à cause de la Ève, c'est pourquoi il peut être là sur Ève. Azaki n'a beaucoup à ce qui va y a Adam. Il avait lorsqu'il avait tiré d'Adam, Azot en envoyé à mort, en train de former la femme avec ses gars. Après, à Ménia, où est pas y a Adam. Après, il apporte, il amène la femme vers Adam. Tant qu'on y a lorsqu'il veut expliquer cela sous une autre forme, sache bien jour wana na Luc 13. Ce jour-là dans Luc chapitre 13. On a dit à Jésus, pas d'ici. Le roi a wakende là. Hérode veut te tuer. Dans Luc 13, verset 31 à 33. Dans Luc 13, verset 31 à 33. Il dit ceci. Je fais les miracles aujourd'hui, demain, les troisième jour, et le troisième jour, j'aurai fini. Maintenant, Jésus allait expliquer puis son dictionnaire. Jésus veut nous expliquer dans son propre dictionnaire. Faire veut dire quoi? Au sale, il dit qu'on alors, il faut que je marche. Et ce qui est dans la tamboula. Alors, marcher dans la Bible veut dire travers. Donc, le marché au tambour à la Bible, donc, il est au sale. Comment il met qui au sale? Vous voyez comment est-ce qu'il faisait ou former la femme? Mais non, c'est pour moi. Marche. Dans un autre langage, c'est toute une marche. Maintenant, quand il veut répéter le mouvement, maintenant, quand il veut répéter le mouvement de former la femme, assume-moi dans mon bal, il faut le baby. Un homme. Il prend un fils qu'on appelait un homme, un fils. Mais moi, dans mon bal, il faut aller sa Ève. Mais ce fils représentait la femme Ève. Pourquoi il faut l'église devenir comme un homme? Parce qu'il faut que l'église devienne homme. Il faut tout comme un statut parfait de Christ. Tout comme un allolengue et à Christ. Il y a beaucoup de monde. C'est pourquoi le mouvement où ils avaient qu'il y a beau ça la Ève. Les mouvements de la formation. En répétant, moi, et pas, il y a un homme. Le Seigneur l'a répété dans la vie de l'homme. Un homme marchant. Et donc, à Tamboura Nanzambé. Parce que Dieu déjà dans Luc 13 a dit, marcher veut dire faire. Parce que Jésus a expliqué dans Luc 11, la marche c'est la formation pour ça. Là. Et c'est pourquoi, tant que nous sommes dans une paix, ça n'a pas de temps à faire. C'est pourquoi lorsque nous donnons dans les choses, nous sommes travaillés. Nous travaillons. Nous sommes une paix. Nous donnons. Mais Michel, mon amour. Mais Michel avait vu. Alors il a dit, levez-vous et marchez. Ôtez les mappés au tambour là. Cette terre n'est pas un lieu de répondre. Mais nous allons ici faire au paix du terre. Amour, amour. Michel 2, verset 10. Il avait vu cela dans Michel 2, le verset 10. Aïe, alors il a Michel 4, verset 5. Maintenant, il vient dans Michel 4, le verset 5. Alors, il dit, tandis que tous les peuples marchent. Dans mon micro, nous se salit au temps. Donc, marcher, on va les appeler les matras. Au sable. Donc, cette marche, c'est le service qu'il faisait pour leur Dieu. Mais chacun au nom de son Dieu. Et Colonna et Colonna, comme vous avez appelé la vie. Donc, c'est bien dit tout ça pour rien. C'est-à-dire, tel que nous sommes. Aux autres parents, tu écoutes la parole. Aux autres paix, tu t'es dans. Mouvement, Dieu, soit. Tous ces mouvements-là, tu fais. Venez, marche. Venez, qu'on va compter pour la paix dans sa paix. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que. C'est-à-dire. Dans le langage de Dieu, le Seigneur a droit annoncé et loco. Le Seigneur peut annoncer. Il faut y avoir le lingue au cochère. Et tu vas savoir comment la placer. Et à moi, la personne a dit non. Dimanche. C'est pourquoi le dimanche, je vous avais donné Ézéchiel 8. Ézéchiel chapitre 8. Il faut évacuer la maison de Dieu. Ézéchiel va être là pour dire. Et ça a dit déjà la chevelure. Avec la chevelure.
Ézéchiel d'abord 8, Ézéchiel 8, et puis dans ce qui est Ézéchiel 10. Et puis j'avais pris Ézéchiel 10. On a confirmé que dans la maison de Dieu, il y avait la gloire. Vous confirmez qu'il y avait la gloire dans la maison. On nous a parlé de gloire, on a chevillé de la femme. Or le Seigneur a appelé cette gloire sous qui à moi. C'est maintenant Ézéchiel 8. Maintenant dans Ézéchiel 8, le Seigneur a vu Ézéchiel. Le Seigneur a pris le prophète Ézéchiel. Allons relier. Dans l'esprit, na Babylone, place à Zalaki Moussika et Jérusalem. Il a ravi en esprit à Babylone là où il était pour la Babylone. Amené en esprit. Il a amené en esprit. Ayen a été un temple à Jérusalem. Il a amené jusqu'au temple qui était à Jérusalem. Ça, Moussika, à kilomètres béni. Vraiment, c'était vraiment une distance de beaucoup. Mais on les a en esprit. Mais là, Ézéchiel était ravi en esprit. A dit qu'il y a Zan à Babylone. Donc, physiquement, il était resté à Babylone. Mais spirituellement, comme il a. Jérusalem, maintenant. Mais spirituellement, il s'était déplacé vers Jérusalem. Maintenant, maintenant, le Seigneur était en train de. Ma maison, où est-ce la gloire? N'a pas eu ça, Nasuki. Avota l'Isaïe, Pampaka. Et le Seigneur lui montrait les anciens du peuple. Mon corps n'a pas besoin de retirer idole. Et chacun est venu mettre son idole. Idole, voilà, c'est la joue de chevelure au Zambé. Et qui est voilà, les amis, au Pakistan, Nasuki, au Zambé, à Pesaka, Libota, Kembo. Vous en avez Amen. Parce que vous taillez la idole, vous avez parce qu'on s'en dit que, à quoi ça va m'exploiter. Parce que les anciens apportaient leurs idoles parce qu'ils pensaient faire aussi des exploits. Et ça, nous voulons aller là. C'est comme aujourd'hui. Matoumoussoussou, d'autres personnes. Alors, les gars, maman, pour comprendre. Dans la manière de comprendre les choses. Articule la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu. À quelques oies, ma gris-gris. Ils vont prendre des fétiches. Pour avouer ça va de l'église. Pour faire tourner les gens. Pour bloquer Batouna Simanae. Pour bloquer les gens derrière lui. C'est comme si Zamba Kouessa. C'est comme si Dieu ne fait pas tourner les gens. Zamba ça la délivrance dans la position qu'on te Zamba Kouessa. Le Seigneur n'avait pas fait, seulement fait tourner les gens par ce miracle. A délivré dans le lingue. Oui. Il a délivré de la manière aussi l'homme. A délivré dans le lingue. T'as quoi ça mène à moi et moi, t'as dit quitter. Donc il avait aussi prié, il a dit aux gens d'aller au temple. Et en cours de route, ils sont guéris. A délivré Moutou dans le lingue qui a utilisé l'eau qu'on a tiré. Il a délivré aussi en utilisant la chose dans la terre. Après qu'il soit inamabélé, il a craché sur la terre. Il a mis l'eau. Ma différent. Délivrance que Jésus a salaka dans les différentes délivrances que Jésus avait opérées. Et on est Paul à Cotisan dans 1 Corinthiens 12. Et c'est ce que Paul avait introduit dans 1 Corinthiens 12. Diversité d'opérations. Que c'est ni à l'oléga pour ça. Mais le même esprit. Dans ce livre, on a mon code à ce sens. C'est ça. Nous sommes. Donc c'est que, c'est-à-dire, moi ça va vraiment, mais tout ça, mon pays, mon cause au combat. Tu es un serviteur qui conduit l'œuvre de Dieu. Si tu viens aujourd'hui, c'est tout le monde qui tombe à l'église. Et encore demain, les gens tombent encore. Et les trois unions sont à quoi? Les gens tombent, il faut qu'ils tombent. En tout cas, il faut commencer à prier. Délivrer. Tu conduis une œuvre, mais les gens ne sont pas toujours délivrés. C'est quelle récompense que tu auras à la fin? Délivrer. Donc ils ne sont pas tous. Mais ils ont senti puissance. La puissance. Hein. Puissance. C'est là où il est. Les alliés pour ça va commun. Et donc on aime la gratia libota. La plus grande chose parmi le peuple. Et ça l'amour de Dieu fana dans le cœur des croyants. Les alliés pour libérer fana la mettez ma main. Bah tu vas se soumettre à la parole. Et les gens se soumettent à la parole de Dieu. Vous pouvez comment en niveau pour craindre Dieu. C'est ça, le bonheur. Et c'est ça la plus grande. La chose qu'on a quand Jésus questionne à un scribe. Lorsqu'un scribe avait interrogé Jésus. Dans Marc 12. Dans Marc chapitre 12. À partir du verset 28. À partir du verset 28. Rabbi, dit-maître, quel est le plus grand commandement? Mon père, il y a mon aide et collègue à la source. Le Seigneur, lui, c'est le plus grand commandement. Mon père, il y a mon aide et collègue. Israël, Israël. Israël, Israël. Le Seigneur tombait et lui, Seigneur. Quand on s'appelle, il y a un salut. Quand on s'appelle, mon père, il y a un salut. Tu aimeras le Seigneur seul. Tu aimeras l'Éternel de toute ta force. Frères, le développement de toute ta force. Il faut avoir le développement de toute ta force.
Quelqu'un qui consacre sa force au match de football. Attaque match 23h30. Suit le match jusqu'à 23h30. Après, t'as la vie, après, lorsqu'il rentre à la maison, 10h ensemble. Mais c'est 10h. Si tout sait, toi. Surtout celui qui avait joué au poste, c'est même côté. Mais un serviteur de Dieu. Après, l'aller à mon salut, il a la charge à ma âme. Après, il s'endort en allant avec un chien. Avec un poste. 4 rounds de défense à sa main. Donc, la défense de ce joueur-là veut faire. C'est tout 5. Vous devez sauver ma âme. Mais celui qui veille sur les armes. Et donc, voilà, il n'a pas de l'air. La pensée avec lequel d'or. Et donc, voilà, il n'a pas de l'air. C'était ça sa pensée. C'est très bien. Et ça dit que maintenant, Pépé, il n'a pas de l'air. Pépé. Cette force, l'aiguille à vos armes. Il faut que ça soit pour l'amour de Dieu. Ça, l'expérience. Hein? Fais une expérience. Pendant ta mingue, la marche. Reste beaucoup de temps. Mais la marche, après, t'as la somme au sang de la boule avec cette collègue à temps. Maintenant, après, on sait que si tu vas prier plus que ce temps-là. Ça, l'expérience. Fais cette expérience. Pendant ta première mi-temps. Reste là et regarde la première mi-temps. Allez, la mi-temps, va l'eau, va tout rouler. Dans le monde, hein? Maintenant, tu cherches ça. Les gens vont voir. Aujourd'hui, vous allez sentir. Et puis, oui, ça va son moment. Et puis, ce qui est terrible, Bouddha à l'église, retard. Il vient en retard à l'église. Mazolinga, Abanda, match retard par commentaire. Mais il veut suivre les matchs depuis les commentaires. T'as pas besoin de la journaliste, le professeur. Le journaliste et le professeur, tu vas voir les matchs. Après de montrer les matchs. Après, il venait remarquer la paix soit la paix. Il sent vraiment, comme on dit, qu'il est dans les matchs. Il sent vraiment la paix du cœur. Montre les images. Allez avant. Lui vient avant lors des bon matchs. Pour suivre les matchs. L'église. Mais à l'église. Parce que ça ne dérange pas. Il ne se dérange pas. Il vient en retard. Parfois, si on vérifie. Parfois, si tu vérifies. Nana somba ta bougie na vina ye. Il n'a jamais acheté une bougie. Pour attendre la vérité. Pour libre de présenter. Parce qu'il n'a pas de courant. Mais si vous présentez, vous sommes à délire la carrière. Mais s'il n'a pas de courant, il va acheter. Pour attendre le match. Pour suivre les matchs. Mais c'est le livre, dans ce qui se ressort. Mais dans ça, c'est le monde de dire. Moi, nous avons dit, moi, fais de l'éternel tes délices. Salam, t'as même dit l'inquinaïo. Il t'a donné à ce que ton cœur dit. Et à l'opé, ce côté, moi, nous avons dit, moi, pour ça. C'est la parole qu'on peut ménager. Et ça dit, nous, pas, on ne peut pas emménager avec la parole. Il faut aider l'autre spirituellement. Les matchs de football n'étaient pas spirituellement. Les hommes sont très légers. Et ces choses-là te rendent très légers de l'aider. Il faut accueillir aux âmes de Dieu. Et tu dois savoir que toi tu es un autre. Ok, c'est l'inabato, mais ça emporte dans ma cabouise de la terre. Tu es différent de ceux qui sont emportés par les choses de la terre. C'est très très important. Les animaux, tu as ma tasse. Oh, veillez, mais. Que tu puisses veiller sur ce sujet. D'abord, ton talis qui d'abord. Oui, que. C'est pourquoi on avait d'abord montré ceci. Les choses que Basali et Zambé. Ézéchiel 8, Basalaki Kouyana Yango. Dans les choses où les idoles d'amener les anciens dans le temple. Et sa gloire là-bas. C'était leur propre gloire. Donc, Baboy, gloire véritable et Zambé. Ils ont refusé la véritable gloire de Dieu. Mais Babaxi, gloire aussi. Mais ils ont rajouté une autre gloire. Nicolo, la gloire où ils arrêtent. Par-dessus la gloire qui était déjà là. On est bien au Paul à utiliser cette gloire-là. Gloire là-bas et Zambé comme chevelure de la femme. De la même manière que Paul utilisa cette gloire de Dieu comme la chevelure de la femme. Mais que aussi le Seigneur a bien rapport. Et comme aussi le Seigneur l'a appelé. La joie, c'est son aujourd'hui de mèche. Pour pas qu'il s'awane à dire qu'on a l'élevé, ça n'est pas sous qu'il y a des bandes. Oui, voile n'a eu fait, c'est pas chevelure. Et puis ton voile doit couvrir tes chevelures. Alors, il n'y a pas de voile, pas mèche. On n'a pas dit que ton voile doit couvrir le mèche. Oui, c'est pas chevelure. Le Seigneur n'est pas de sous. C'est très important parce que la parole au Satan a monté. C'est très important parce que tu ne dois pas jouer avec la parole. Sauf pour qui parole t'es. Si tu ne parviens pas à vivre la parole. L'église, il y a des désordres à la maquette. Il existe aussi des églises des désordres. On ne va pas dire. C'est ça l'église au Bogota. Il y a des églises où tu pourrais entrer. Où tu vas. Nous sommes tout polélé. Les femmes têtes non voilées, et ils ont mis leurs mèches. Va entrer dans ces églises-là, les désordres. Va là-bas. Apparemment, l'église des saints. Va entrer là-bas, l'assemblée des saints, dans l'église des saints, n'ajoute pas de mèches. C'est la parole,
Parce que tu dois avoir la précision lorsque tu parles d'une chose. Verset 3.
Le verset 3. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. Donc, aujourd'hui, Baal a des propriétaires. Donc, Baal, c'était comme le Seigneur, le propriétaire. Avec le Seigneur, n'était pas Israël, ça va bien la Seigneur Adonai. Donc, comme dans Israël, on parlait du Seigneur Adonai. Donc, Baal, ils avaient qui m'a dit que voilà les amours en mon compte, donc, eux, c'était leur Baal là qui était comme leur Seigneur ou leur maître. Le Léon, pas Sidonien. De la même manière aussi, les gens de Sidon. Baal aussi, ils avaient qui n'a Baal. Et aussi, avaient leur Baal. Baal, on a même pas vu, mais dans la suite, on attend aussi. Et c'est pas là qu'on parle aussi dans la suite. Oui, Jézabel a yakina. Que Jézabel avait apporté en Israël. Donc, et là, il y a faux Dieu. Donc, le faux Dieu. Ce que tu as trouvé dans la femme Jézabel. Ce que nous avons trouvé dans la femme Jézabel. Tu es dit. Au mouvement. Les amis, dans 1 roi 18. 1 roi chapitre 18. Tant qu'Abdias a Zoloba. Lorsque Abdias était en train de dire, lorsqu'il parlait avec le prophète, il dit, dans verset 4, le verset 4, j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, et tant que Jézabel a sa qui comprend pour la possibilité de sa vie, donc ma carte à Jézabel, dans un moment, persécution. Et dans Jézabel, on voit la persécution, la tuerie. Donc, on va garder position et la parole. Et tout cela qui garde la position de la parole. Cet esprit-là, Jézabel. Donc, mon livre, on est Jézabel. Élimina. Élimine tous ces gens-là. Babylone, on est contre l'assemblée des saints. Que ces choses-là n'entrent pas dans l'église des saints. Que Matoubaba n'a pas pour mon bataille, n'a pas poison. Que les gens puissent empoisonner leurs serviteurs ou leurs frères. Mais là, toujours le même esprit. C'est toujours le même esprit de Jézabel. Donc, Azoko exterminé. Jézabel extermine. Ensuite, Benassimana. Nathalie Sakibino aussi. Je vous avais aussi montré. Jézabel Azala qui n'a rôle et à vous faire oublier les noms de Dieu. Jézabel avait pour rôle à Kobosa qui s'accombo et à Zabé. Que Israël a Bosa à Kombo et à Zabé. Que Israël oublie les noms de l'Éternel Dieu. Yabonne la paix Sakibino, Jérémie 23. C'est pourquoi je vous avais donné Jérémie chapitre 23. Dans un qui n'est verset 13. Alors j'avais pris le verset 13. La façon dont Dieu a reproché. La façon dont Dieu reproche. Ma faux prophète. Le faux prophète. Ma campagne sale. Les esclaves extravagances dans le pays. Dans un verset 13, il y a Jérémie 23. Le verset 13 de Jérémie 23. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les prophètes de Samarie. J'ai vu de l'extravagance. Ils nous ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Toujours dans Jérémie 23. Toujours dans Jérémie 23. Dans un verset 27. Je prends le verset 27. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme les pères ont oublié mon nom pour Baal. Oui, pour nous, on a un taille à Akab. Ici, nous voyons, c'était du temps d'Akab. Donc, ma tata, ma bossana qui, au sein de la Zambé. Donc, les pères avaient oublié de servir le Seigneur. Ma bossana qui, pour le papa de Dieu. Ils confessaient que c'est pas qui était Dieu. Ma bossana vraiment. Ils avaient vraiment oublié l'Éternel Dieu. Mais, tant que vous comptez dans ma détail à chaque église. Et lorsque nous entrerons dans les détails de chaque église. Parce que le Seigneur a zone de la mon église à Tiati. Parce que le Seigneur en parle dans l'église de Tiati. A zone de ma mon. Il dit ceci. Ce que moi j'ai contre toi. Et donc on a sa côté de mes amis. Parce que tu laisses Jézabel enseigner à Théa. Dès que vous vous posez la question. Alors nous nous posons la question. N'a pas ça va à Théa dans l'église. Dans l'église, c'est qui permet aux gens d'enseigner le peuple. Mon ami. Est-ce que c'est un simple fidèle? Donc c'est les serviteurs qui le font. Vous en avez un. Amen. On attend que vous en détail.
lorsque nous entrerons dans les détails du jézabélisme. Parce que rôle de Jézabel, parce que le rôle de Jézabel, c'est tout un esprit. Ils allaient pour lui, mon et pour s'installer dans Katiamou. Il va s'installer dans l'homme. Mais pourquoi quand même mépriser la connaissance? Mais seulement pour mépriser la vraie connaissance de Dieu. Mon bon est comme frère Kia. Vous allez le voir, frère Kia. Frère Kia. Frère Kia. Oh, ton famille. Et que nous sommes avec toi. Nous voyons ensemble Yeshua Zania. Nous chantons ensemble que Jésus est ici. Mais déjà, Jézabel possède cet homme. Mais déjà, Jézabel possède le frère. On va comprendre avant l'ennemi. Mais comment est-ce que tu vas le faire? On méprise la connaissance de Dieu. D'accord, Zali, comment on a-t-il la terre où est bien ça? Alors, tu vas inutile. Il le trouve inutile dans l'église. La connaissance blanchit. Voyez bien comme ça va vous dire. Dieu est bien. Et le mot la rappelle Bido. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et ça, il y aura un samedi. Nous avons besoin d'écriture à mon aéroport. Quelqu'un ne peut pas maîtriser l'écriture. Alors, tout ce que tu verras sur la terre. Sagesse, nous sommes en toute la sagesse de la terre. Le Seigneur va anéantir la sagesse des sages. Le Seigneur dit qu'il anéantit la sagesse des sages. Yoga n'est pas mon avatar, ma bébé. Écoute, comme le Seigneur voit les gens de la terre. Dans Esaïe 40. Dans Esaïe 40. Alléluia. Il dit ceci. Dans verset 15. Au verset 15. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Tala, Abicolo, nous sommes en bébé, Basali, Kaka, le col, Alitaba, Moko. Na yamai na cantine. Donc comment dit cantine vous voyez le saut tel qu'il est. Maintenant, comment dit l'italien dans mon nom, vous voyez la goutte qui parfois reste sur le doigt. Mais Zabonazambe m'a belé. Et aux yeux de Dieu, c'est toutes les nations de la terre. Et même le roi. Naba millionnaire. Même le millionnaire. Naba pauvre. Et même le pauvre. Et tous ces gens. Parce que le roi l'itaka goûte, l'itaka kaka moko. Faut pas mal. Tu vas craindre le Seigneur. Parce que ça dans le lait des âmes mawani. Parce que si tu es orgueilleux, c'est malheureux. Au moins, on t'a dans le lait. Vous allez voir un homme orgueilleux. Parce que. Assumé le nouveau boy. Parce qu'il a reçu quelque chose. Et non, bien aimé. Il faut y avoir rendre grâce à Dieu en toutes choses. Il va savoir le Seigneur le tour d'attendre. Tiens, amène la première position. Placez le Seigneur en première position dans toutes choses. Ce qui t'a fait présenter au Père Mater. Si le Seigneur ne t'avait pas donné les choses, tu n'avais pas touché cette chose. Ce gars est venu Père Mater aussi par contre. Si le Seigneur était son souffle, tu ne vas pas toucher cela non plus. Yo, ça va un téléphone, on a un message à ma bé. Toi qui dans ton téléphone, tu as le mauvais message. Ben, là, yo, frère, tombe, mon sœur. On t'appelle frère. Sœur, et tu mets des cônes afin que personne ne lise. Tu n'appartiens pas à toi-même. Le Seigneur peut faire qu'on puisse te voler ce téléphone. Frère. Et le voleur va le répondre à ton frère. Le Seigneur peut aussi faire un téléphone. Tu as le téléphone. Amen, il peut maintenant. Il retire ton souffle. On contrôle le téléphone. Mais contrôlez pas mon téléphone. Bien. Non, on va vérifier le message. On va bien vérifier le message. Il était en train de nous mentir, c'est vrai. C'est pourquoi tu as la justice. C'est pourquoi tu vas marcher dans la justice de Dieu. Ah, le Seigneur. Ceux qui vont lever le mabé, va monter la mabé en terre. Justifier car le Seigneur va te justifier toujours. C'est la parole du Seigneur. Les amis de l'Ouakolo. Donc, le Seigneur, avant la table, voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Dans la Bicolo, elles sont comme de la poussière. Si l'île balance. Vous voyez, si vous mettez la balance, vous voyez quelqu'un qui a la balance dans son bureau. Maintenant, si vient par exemple le lendemain, vous voyez la poussière que vous voyez sur la balance. Et pour Jakarta, graduation, il y a aiguille. Et cette poussière ne bouge même pas, on est vraiment la poussière. Cette poussière-là que tu enlèves facilement. Et ma nation, et c'est ça, tout le monde, mon et toute la Zambie, Uganda, France, États-Unis, les États-Unis. Cette poussière-là qui s'attache.
dois vraiment craindre le Seigneur. Si tu ne parviens pas à les craindre, tu ne l'as pas encore compris. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Mais dans la la pour les îles Donc, par exemple, Kisama est aussi une île. Hein? Oui. Île. Mais maintenant, il y a par exemple, tout Kisama est une poussière. C'est comme une fine poussière. Oui, je me demande. Qui s'envole dans le vent, tout qui s'envole. Mais reste qui s'envole, il pourrait être orgueilleux devant le Seigneur. Non, tu vous quitteras du Seigneur. Nous allons vous abaisser. Donc, à toi la gloire, Seigneur. Le coup, mais ce n'est pas. Que l'honneur te revienne. À quel verset 17? Le verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un bien. Alors, ce qui va changer,
n'abaisse pas l'homme de Dieu. Je ne sais pas si cela ne te terrifie pas, cette parole de Dieu. Non, pour humilier Jésus. Toi, tu as humilié Jésus, la parole. Parce que tu es à ma mère. Parce que tu prêches ma mère. Tu es humilié Jésus. Et ça dit que pour eux qui sont sous son. Maintenant, on se compte sur ma réunion. Maintenant, tu tiens des réunions. Pour bâtir à la concharge, tu es l'homme de Dieu, ma mère. Pour qu'on ne puisse pas rectifier ton mauvais enseignement ici. Donc, tu es vraiment dans les Jézabélis. Vous êtes vraiment la tête de la moi, Jézabé. Non, les ma peuple. Tu aimes que le peuple. Et tu as la maladie à ma mère. Demeure dans un faux enseignement. Qui n'aime pas ça. Ils n'ont pas dit qu'à bon côté. Ils ont dit qu'on fait oublier les noms de Dieu au milieu du peuple. Ils ont dit qu'on ça, ils ont dit qu'on va t'amener à Tika Tchadimota. Il y a beaucoup d'avancés qui. C'est pourquoi on avait avancé. La carte à Jézabel, mais il a l'oubli tout au début. Et donc Jézabel, comme je l'avais dit au début, esprit à persécution à tuer. Il y a l'esprit de la persécution pour qu'on m'a dit. Forme, Jézabel peut la porter dans plusieurs formes. Il y a longtemps à nous qu'il n'importe les rois. Lorsqu'il avait cherché la mort de Naboth, a établi ma témoin. Il avait établi de faux témoins. Pour pas comme ça. Afin qu'il puisse témoigner faussement. Mais uniquement pour Naboth à mourir. Mais seulement pour que Naboth puisse mourir. C'est la même année. Dans 1 roi 22. C'est l'esprit toujours de Jésus-Christ. Ils ont dit qu'on est dans 4 et 1 si Jésus-Christ. C'est pourquoi on avait montré ceci. Que Jézabélisme, la doctrine de Jézabel, son côté de l'Apocalypse 17, si tu observes dans l'Apocalypse 17, c'est ça dans la grande ville Babylone. Si tu trouves dans la grande ville Babylone, parce que son côté de l'Apocalypse 17, parce qu'en observant l'Apocalypse 17, total est en gros. Nous les lisons là-bas. Parce que Jézabel, on va trouver tuerie. Parce que dans Jézabel, tu vas trouver la tuerie. On va trouver mensonge, ils ont installé. Et les mensonges aussi installés en on va trouver Azali pour éliminer la grâce. Pour ma maman, lui, à Solé en Zambé. Et avant que ma maman, à Zambé, à Solé, il a gagné grâce. C'est pourquoi nous disons un vrai fils du royaume aime les grâces. Allez, j'ai pas la grâce, mais. Un vrai fils du royaume ne rejette pas les grâces. Elle dit que grâce, c'est Dieu. Ici, que la grâce, c'est Dieu dans l'homme. Grâce, ce n'est pas un homme. La grâce n'est pas un homme, bien aimé. Et ce qui peut nous tout, il y a la grâce. Et si toi aussi tu as la grâce. On y est limité. Et tu t'ignores. On dit que la paix, orgueil. Alors tu vas mépris. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Alors tu vas pas mourir. J'ai toujours. Tant que j'ai lu les Écritures. Tant que tu as ma commis. Mon tournier, son âme, ça la grâce, ça la même. La toute personne à qui tu as fait grâce, c'est toujours même. Non, à mon âme, prophète, orgueil. Je n'ai jamais vu un prophète orgueil dans les Saintes Écritures. Non, à mon apôtre, orgueil. Je n'ai jamais vu un apôtre orgueilleux dans la Bible. Mais dans la Sainte Écriture, beaucoup de gens ont dit orgueil. Dans la Sainte Écriture, tu vas trouver le Seigneur orgueilleux. Mais ça n'est pas la Bible. Mais c'est en dehors de ce Dieu. La Bible de Saint-Jean, si était toujours des humbles. La Bible, il y a Matthieu, on va s'en aller à la commune qui dit ça. Ils étaient des humbles. La Sainte Écriture, la commune qui dit ça. Voyez des amours qui n'ont pas quitté. La connaissance de pousser à se rabaisser, à s'humilier d'abord. C'est ça les poissons. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas quitté. Nous avons. Tu vois. Les manières. Donc, ce qui est net, si par exemple la chose n'est pas conforme à l'écriture, rejette-la. Concernant la beauté, il ne faut pas la pratiquer. Les gens qui ont dit que, c'est comme on avait dit, ma voix, ce sont des tenis, ou les âmes, la binaire voir ma voix, nous malade dans ma mariage. On les voit que les femmes portent pendant le mariage. À ça, on a un mot transparent. On les fait de manière que ça soit transparent. Moi, soutiens-moi. Avec les soutiens qui exposent la poitrine. Oh, bon, parfois, il bénit mon cœur. Avec du côté du bras. À Saint-Jean-Baptiste. Et puis, on fait des gants. Valeu, valeu, valeu.
Comment tu les as eus? Et ça va transporter ma maman par là, mais elle n'a pas la carte. Donc tu as transporté, amené les choses de ma lame en Israël. Donc en réalité, dans vos soeurs, il y a un mariage. Cela ne peut pas se faire que nous avons la quitte à mariage. Et nous puissions faire un culte de mariage. Quitte à la parole d'Israël. Le sang que ça va donner pour le coup de Colo. Ma
pied à 4 mètres. Si tu vas faire, vous allez concevoir une chaise avec un pied de 4 mètres. Au fond, je suis en forme, mais tu vas devoir t'asseoir dans quelle forme. Ce n'est même pas un problème. C'est la fête. La fête à ton honneur. Les amis, et loulou na lokum na yo koyo bani. Tu sais attentivement. Ça fête vraiment à yo. C'est vraiment ta fête à toi. Mais ça m'a bêté. Mais ce n'est pas mauvais. Mon Dieu à Bali. Et c'est lié musique à théâtre grosso. Et vous ne le mettez pas aussi. Et ça m'a bêté. Ce n'est pas mauvais. Amen. Et ça m'a bêté. Ce n'est pas mauvais. Donc c'est que, c'est-à-dire, nous devons maîtriser les principes qui sont dans les saintes écritures de Dieu. Dans la Bible, on a donné de la valeur au culte à l'honneur de l'Éternel. Si tu élèves le Seigneur tel qu'il est, à vous salir le boulot pour nous t'amener à vous salir. Il te dira du bien qui est en terre ne pourra le faire pour toi. À vous salir la loi pour vous amener. Le Seigneur va te le faire, lui Dieu. Parmi les boulots pour vous salir la loi, parmi les biens qui vous salir la loi, la peine du roi, il vous salir la canne. Il peut même monter la mort que les gens font depuis contre toi. Dieu passons par la terre. Ce qu'on peut acheter, on va aller voir la mort. Quand tu vas acheter la mort avec l'argent. Mais ça, mais le Seigneur peut t'en préserver. Le Seigneur peut t'en préserver de tout ça. Après, il disait, bon, on va négocier ça. Parce qu'il faut te veiller maintenant. Parce que pour le service de ça, dans tout. Pour les services que nous faisons pendant la nuit. Apocalypse 17, Apocalypse 17 dit ceci. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vins. Le verset premier. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Qui est assise sur les grandes eaux. Au Monisso Botan, Apocalypse 13. Voyez si tu observes l'Apocalypse 13. Verset premier. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et 16 têtes. Et si ces cornes 10 galères. Et si c'était un nom de blasphème. Donc, au moment où c'est la bête qui est Namaï, à ton ami Namaï. Vous voyez ici, c'est la bête qui est sur le zoo. Mais Awa, c'est la prostituée. Mais ici, c'est la prostituée qui est sur le zoo. Donc, les otages s'abouillent. Donc, c'est la montre ici. La bête qui est dans Apocalypse 13. La bête qui est dans Apocalypse 13. Ako bomba m'amena un mystère. Sera un mystère à cause de la bomba mi. Au moins le verset 8e et Apocalypse 17. Voyez le verset 8. La fête que tu as vu était. Nyama yaouli au mona qui a zalaka. Et elle n'est plus. Et nyama wa zali li sousou terre. Donc, était. C'est Apocalypse 13, verset 1. Donc, a zalaka, Apocalypse 13. Sur la main. Maintenant, les kamoni ne koko melaye. Verset 3. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Vous suivez attentivement. Tête mon cœur est blessée à mort. Donc l'une de ses têtes était blessée à mort. Sommes aux Apocalypse 17, verset 10. Mais Apocalypse 17, verset 10. Ce sont aussi sept rois. Mais tout ça, moi, les amis, peut m'accouler ça. Donc, tête est allée s'accouler au roi ou royaume. Donc, la tête représente le roi ou le royaume. Dans le bâtiment et les moments, on a voulu stresser qu'une tête est blessée à mort. Lorsqu'on dit qu'une tête est blessée à mort, c'est ça le mouvement était et n'est plus. Il y a un bon délire, il y a un moment, on a salaka, puis on a salé sous la tête. Bon, continuons les salaki, qu'on dirigeait ma belle en l'air et en Jésus-Christ. Dans le royaume qui dirigeait la terre du temps du Christ et Jésus. Les Araki empire romain. Les Araki beaucoup d'avant. Avec César. N'a César Auguste.
Alors, Yahweh va présenter la bête Nicolas mange. Pourquoi on a présenté la bête sur la mer ou les manzos? Apocalypse 13, verset 1. Apocalypse 13, verset 1. Mais maintenant, t'as pas ça blessé. Maintenant, lorsque la bête est blessée, donc les communes disent l'épuis. C'est comme Niamasa qui sous terre. Mais il faut pourquoi remplacer Nicolas Maï? Maintenant, quelqu'un doit remplacer la bête. Remplacer à son nom à Nicolas Maï. Maintenant, qui remplace cette tête qui était blessée? C'est la femme prochaine. Mes amis, moi, si on nous bat. Il y a Apocalypse 17, verset 18, Jérémie. C'est d'elle que parle Apocalypse 17, verset 18. Et la femme qui est tirée. Mais moi, si on est où? C'est la grande vie. Mes amis, qui a la royauté sur les rois de la terre. Il y a ma continuation sur ma vie. Aux hommes, hein? Amen. Moi, si on a la continuation, il y a ma puissance union sur la terre. Et c'est cette femme qui a la domination sur toutes les personnes. Donc, tant que bête, on a blessé. Lorsque cette bête est blessée avant, et nous, on a dit que c'est l'Empire romain. Et cela parlait de la dislocation de l'Empire romain. Mais ni les hommes. Maintenant, qu'est-ce qui remplace cette femme? Moi, sur c'est Vatican. Et sa vie, l'Église va mouper dans Roma. L'Église catholique romaine. L'Église va mouper dans Roma. Et ça, l'autorité du Coran va voir dans sa terre. C'est la domination sur tout le roi de la terre. Ce n'est pas moi, mais l'écriture de Dieu. C'est côté à moi, t'es côté à moi, où est-ce qu'on va prêcher cela si on ne prêche pas? Lorsque nous serons enlevés, qu'on va prêcher cela? On est monté. Alors nous allons prêcher maintenant. L'écriture, c'est l'écriture qui est. Et la femme que tu as vu, mais moi, c'est la grande vie. Les années pour m'amener. Qui a la royauté sur les rois de la terre? Les années à mon compte, Nicolas, va tout le monde se Azombomba la bête na katinae. Et cette femme a caché pour renfermer la bête. Elle est assise. Et elle va présenter à Fanny Nicolas Maï. Et c'est cette femme-là qu'on présente assise. Et le verset 15, Manoubi. Au verset 15, la parole 17. Il me dit les hommes que tu as vus. Papa y a mis le monde. Sur lesquels la prostituée est assise. Nicolas, puis moi, si nous ne pouvons pas faire. Insisté, la prostituée est assise. On insiste que la prostituée est assise. Ce sont des peuples. Des animaux à Nico, des foules, des animaux à Nico, des nations, des animaux à Nico, des langues, des animaux à Kota, na Congo, et même les na Belgique, et même la Belgique, na États-Unis, na les États-Unis, na Russie, Russie, et même la Russie, maintenant on va se mettre à l'isolat d'ici, et ceux-là qui parlent de la Russie, na ceux qui craignent, et même l'Ukraine, maintenant on va se mettre à l'isolat d'Ukraine, et ceux-là qui parlent, la femme est assise ici, des nations, moi c'est la femme de l'Ukraine, ma Kota, Nico, le Bénin, sentir que risque dans ce qu'on appelle une prison. Nous sentons que la Russie est là. Au temps qu'il a mis l'information. Tu as lu les versets de la Bible ou tu as suivi les informations? Ce sont des infos, je crois. Des informations. Ce sont les infos que tu as suivies. Verset de Yahweh. C'est ça le verset. Femme, moi sur ma femme et une royauté. Non, je ne sais pas. Elle est assise sur toute royauté sur la terre. Mais cette femme aussi a ses alliés. Les alliés des États-Unis. Par exemple, les États-Unis d'Amérique. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Ce sont ses bras. Mais c'est elle qui a la domination sur les tous. Président des États-Unis. C'est pourquoi, même si tu deviens président des États-Unis, donc, les arbres plus élevés la terre. Comme il existe un arbre plus élevé sur la terre. Là où viennent toutes les bêtes, pour ça, voyage à Rome. Tu vas effectuer le voyage vers Rome. Aux Alamans, qui te pose le pouvoir. Tu reçois le pouvoir. Pour ça, voyage à Rome. Tu vas effectuer le voyage vers Rome. C'est la Bible. Les années des milliers. Les grands arbres reçoivent toutes les bêtes de la terre. C'était abonné de Yamagaba, Nyamanyo, Soya, Zamba, Nelini, Ginaï. C'est quand même dans l'Ézéchiel 31. Nous l'avions lu ce jour-là dans l'Ézéchiel 31. Même dans Daniel 4. Et même dans Daniel chapitre 4. C'est pourquoi vous allez voir n'importe quel président à quel voyage. Il effectue un voyage à Rome. Parfois ambassadeur de la paix. On lui donne parfois le titre d'ambassadeur de la paix. Pour toi, ton père, ça fait un année pour mon vraiment. C'est lui qui donne le titre d'ambassadeur de la paix. C'est lui le véritable Dieu. La femme là. Moi, si on en douma. Moi, j'ai mis l'écriture. Là, il m'a son temps à l'état qu'à l'immobilier. Alors, on dit ceci. Il
me transporta en esprit dans verset 3. Moi, je vois la même qui va dans mon livre. Nazi, verset 2. Le verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Les amis, la voix, si on a des bâtons, son amené, ma vie, personne n'a pas dit quoi. J'ai pas ça chez Isabelle. Donc, cette femme-là aussi est chez Isabelle. Donc, roi Nios. Donc, tout le roi de la terre. Asali, Kobo. Il a fait la formité avec cette femme. Là, c'est le verset de Dieu. Et comme il dit qu'on a fausse adoration. La débauche, c'est la fausse adoration. La branche nionce et la magie. Et toutes les branches de magie. Et ça, il y a un lien catholique. Non, c'est pour les croyants de l'église catholique. Mahomet a un lien catholique. Mahomet était un fidèle de l'église catholique. C'est la branche à Vatican. C'était une branche de Vatican. Islam. Islam. Parce que d'autres personnes ne le savent pas. Et c'est du fait de son impédicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Les amis, il y a des gens qui ont aidé ma femme, il y a ma belle, ils ont son amené. Enseignement, là. Dans son enseignement. Son ami Noël. C'est du Noël. Pour comprendre que maman est dans Noël. Maman a sombré ma poupée. Vous allez voir, la maman achète des poupées. Avec des ballons d'aile. Et puis on met là. Les 24. Ils ont pour la banne. C'est le choix des enfants, consacrés aux enfants. Toi, tu connais ces choses, comment est-ce qu'elles sont arrivées? Toute la terre, par exemple, doit impudicité. Toute la terre est abreuvée. Faux enseignement. Des enfants enseignement. Il me transporta en esprit. Moi, je vois mes matins dans mon livre. Un bon joueur, il y a football face à la catholique. Un bon. Mon petit balle est malade, il y a des mots, c'est bien là, c'est la catholique. Un bon politicien aussi. Mais mon père, il y a politique face à la catholique. Et c'est bien là, c'est la mondine, il y a catholique. Il me transporta. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Pleine de noms de blasphème. Tout le monde là, comment est-ce que tu as? Les noms de blasphème, c'est quoi? Des faux enseignements. Et ça n'est pas ma tia, ma paix au catholique, ça. C'est noms de blasphème. Ma comment est-ce que tu as? Avec les seigneurs Marie médiatrice. Marie a montré à Kati Kati, il a travaillé en tant qu'enseignant. Comment ça, l'enseignement? Tout enseignement, il y a un seul enseignement. Tous ces mauvais enseignements. Ce sont des noms de ma soeur. Et ça dit, pas comment est-ce qu'on tout cas en Zambé? Ils prennent la place de Dieu. Cette femme était vêtue de pourpre. Moi, si on a la tête qui est là-bas, elle t'aime et elle va pourpre. Pourpre, c'est la royauté. Donc, le vêtement de pourpre, c'est la royauté. On dit Jésus avant qu'on fasse. Vous voyez, Jésus avant sa mort. Ma soldat romain, malade, ça est pourpre. Les soldats romains lui avaient fait revêtir le plan. Après signer sa vie. On lui a salué. On lui a salué au roi. Moté, mon côté. Mais ils étaient dans la prophétie. Mais ils étaient dans la prophétie. Mais il n'y a pourpre. L'événement de pourpre lui appartenait véritablement. Et ça n'est à Jésus. Appartenait à Jésus. Mais moi, je suis à la tienne. Mais cette femme aussi, elle est vêtue de ce vêtement. Zola Nama. Amen. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Rempli d'abomination et des impuretés de sa prostitution. Si son front était écrit un nom, un mystère, Babylone apprend. La mère des impudiques. D'abord, toute doctrine, il a dit ça, c'est la parole véritable. Qui ne pratique pas la parole véritable? Ça va impudique. Donc, sont des filles prostituées. Avant de l'impudicité à d'autres. Avant de parler de l'impudicité de la chair. Nous sommes vivants dans les combos. Si tu vis dans l'impudicité, maman a le pays. Donc, c'est ta mère, voilà ta mère. J'ai le babylon d'abord. Viens, maman, la fils. Voilà ta mère. Donc, voilà ta mère, maman a le. Amen.
train de même si tu es là sur la chaise. La maman, voici ta mère. La mère des impudiques. Maman, il n'y a pas si Numa. Et les abominations de la terre. Toute abomination que tu pourrais voir sur la terre, même à tout, toute abomination, sans exception, on la table au côté. Maman, la mère de cette abomination, c'est Babylone. Maman, on a des tu vois des dégâts sur la terre. Donc, on est plus, on est plus de les voir avec maman. Leur mère, c'est elle. Elle est là, Babylone. Abomination sur la terre. Toute forme d'abomination sur la terre. Au moins, il va tout le monde, comment on va venir comme ici. Et tu vois des gens qui se font des dieux dans un maman. Ils ont leur mère, Babylone la grande. Si tu trouves un professeur qui ne croit pas à Dieu, directement il va s'attaquer. Directement, toi qui es catholique, même s'il ne croit pas en Dieu. Homosexuel, maman, on va les lesbiennes. Les homosexuels, les lesbiennes. Catholiques. Donc les catholiques. Tu suis attentivement. C'est vraiment l'église de Satan. Les amis perdus, l'église à Satan. Et Paul a béni à moi les gens à la doctrine des démons. Et Paul a béni la qui s'est à la démon à béni ma bé. Que la paix du Seigneur les en amour. Et la paix du Seigneur sur les mandats de chacun. Et que Jésus-Christ apporte la matière. Et que Jésus-Christ nous préserve en dégâts. Nous continuons toujours l'homme par la grâce de Dieu. Et nous allons dans l'église, tu dois savoir il faut vous résister Jézabel. Le Seigneur peut t'aider de la moisse Jézabel. Pour résister et l'opinion sur les amis pour faire oublier l'enseignement. Et résister toute chose qui fait oublier l'enseignement parmi le peuple. Que la paix du Seigneur les amène. Que la paix du Seigneur soit ton partage. Seigneur, je crois que tu es le Dieu de paix des grâces. Zabé n'a dit bien tous amis, Zabé a qui m'y a la bonne. Comme on a eu des amis. Et l'homme pour la mission, c'est un homme qui est notre victoire. Mon côté à Bokani Nayo Seigneur. Et personne n'était comparable au Dieu. Merci Nayo Sosani pour nous. Merci pour tout ce que tu as accompli à notre Volou et Tarisaman Nayo. Et ta grâce est manifeste en toutes choses. Ça va qui n'y a pas la bombe et à mon corps. Que ce soit la paix pour la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi dit. Amen. Que Dieu bénisse. Savez à quoi pour lui. Et vous t'en avez aussi dans le tour, dans le sang, et vous en avez là. Et retrouvons-nous la nuit pendant la prière, et ce serait bonne chose. Et ma haute, ma posama, la boutou, vous en avez la journée, la prière aussi. Et ceux qui vont manquer pendant la nuit, soyez là pendant la journée, dans la prière. Kirt, la nuit, soyez allés chaque jour, dit vendredi, mardi à vendredi, tous en la kirt. Et notre but, c'est chaque jour du mardi au vendredi. Nous offrons ce programme pour bateau, bateau, l'anda, quand même. Direct, nous donnons ce programme afin que ceux qui nous suivent même dans les directs les sachent. Et que la paix du Seigneur les agricoles à mon corps. Qui vient encore les agricoles à mon corps. Je vous aime bien au nom de Jésus. Et qui vient la population de Jésus.